Bonsoir. On ne présente plus Boursso Banque, filiale de la Société Générale. Boursso Banque, le numéro un de la banque en ligne en France. Beaucoup de produits proposés, le compte courant bien sûr, des cartes bancaires, le livret A, le LDDS, l'assurance vie. J'en passe et des meilleurs et des tarifs très intéressants. Je suis client à titre secondaire. J'ai une carte ultime qui me coûte zéro euro à condition d'utiliser au moins une fois par mois. Mais il y a une chose qui m'agace chez Bourse Bank, Et c'est la raison pour laquelle je n'en ferai pas un compte principal. Désormais, on ne peut plus appeler par téléphone un conseiller chez Bourse Bank. Et ça, je trouve ça très regrettable. Alors la raison qui est mise en avant c'est la sécurité bourse aux veut être sûr que c'est vraiment le client qui téléphone et pas quelqu'un qui se fait passer pour le client. Bon, il me semble quand même que quand un client appelle, euh, il y a quand même possibilité avec son identifiant, euh, un certain nombre de renseignements d'être sûr que c'est bien lui. Eh bien non, on ne peut plus appeler euh, un conseiller bourse banque par téléphone et je trouve ça Regrettable. Alors, sur la page d'accueil, en haut à droite, vous avez un onglet Aide et Contacts. Et en cliquant sur Aide et Contacts, vous pouvez poser une question à un assistant virtuel. Ben voyons. Hein. Et cet assistant virtuel, ben, bien évidemment, il peut répondre à un certain nombre de questions basiques. S'il ne peut pas, eh bien, il vous propose euh, d'entrer en contact avec un conseiller. Et. À ce moment-là, vous répondez oui et vous allez arriver sur une page que je vais vous montrer. Voilà. Nous contacter, être rappelé. Être rappelé. Vous pouvez être rappelé par téléphone. Afin de vous rediriger au mieux vers le service concerné, merci de renseigner les champs ci-dessous. Alors, vous allez sélectionner le thème la banque, la bourse ou l'assurance vie, la banque. Vous sélectionnez un sous-thème gérer mes comptes. Valider. Et là, et là, et là, je vais vous masquer mon numéro de téléphone. Vous pouvez être rappelé immédiatement. Nos conseillers du service client vous rappellent pour répondre à toutes vos questions du lundi au vendredi de 8h à 20h et le samedi de 8h45 à 16h30, sauf jour férié. Bon. Du lundi au vendredi de 8h à 20h, c'est très bien. Bon. Mais vous êtes rappelé. Je trouve ça désagréable de ne pas pouvoir directement appeler un conseiller. C'est la raison pour laquelle, entre autres, je reste client principal d'une banque traditionnelle parce que je trouve important d'une part de pouvoir rencontrer un conseiller en chair et en os, pouvoir discuter avec lui les yeux dans les yeux, et puis aussi je trouve normal de pouvoir téléphoner à ma banque. Alors je suis peut-être même certainement euh, un vieux de, de la vieille avec des, des vieux réflexes, mais cette façon de toujours mettre en avant la sécurité, la sécurité, le risque de fraude pour en fait euh, rendre tout automatique par, euh, par échange numérique, je trouve que l'humain disparaît et c'est dommage. Alors, ça n'enlève pas les qualités de Bourse-Banque. Je l'ai dit, de nombreux produits proposés, des tarifs euh, très attractifs, très compétitifs. Mais je trouve que la Bourse-Banque prend une mauvaise direction en ne permettant plus à ses clients que ses clients appellent directement Bourse-Banque il faut via un formulaire de contact demander à être joint par un conseiller. Donc ce n'est plus le client qui euh, a la main pour le téléphone et je trouve ça regrettable. Mais bon, peut-être que pour les jeunes, euh, c'est secondaire. Je ne sais pas. N'hésitez pas à commenter cette courte vidéo. Dites ce que vous en pensez. Est-ce que c'est important pour vous de pouvoir joindre à votre initiative, un conseiller par téléphone, ou est-ce que ça vous pose pas de problème de passer par un assistant virtuel et de demander à être appelé? Merci beaucoup pour vos commentaires. Bonne fin de journée. Au revoir.